Salut à tous, c'est Hammers et on se retrouve avec des amis un peu nouveaux, enfin pas Octalen, hein, il est toujours là. Notre ami Toujours. Maurice et notre ami Mydrax, c'est ça? Salut. Salut. Salut Mydrax. Alors voilà, donc Mydrax et Maurice font partie de la French Connection, qui est une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir, très sympathique avec plusieurs jeux machin. Et nous avons. Ils vont participer avec nous à un concept un peu spécial qui est le Totenkopf. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'on a inventé Marque avec Oct. déposée. Marque déposée par Octalensist. Donc c'est un jeu qu'on a inventé, c'est tout simplement un totem qu'il faut récupérer et conserver pendant la partie dure 1 heure. Peu importe qu'on fasse 50 minutes en possession du totem, l'important c'est de l'avoir à la dernière seconde. Donc on peut rien casser, on peut ramasser les objets que dans les coffres. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc ça sera deux équipes de deux, donc Maurice et Mydrax, donc la French Connection, contre les bouseux qui sont Octalen et moi-même. Voilà. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors avant tout, noir ou orange? Moi, orange. Ouais, moi aussi. Bon bah Bon, voilà. vous êtes noir, hein, on vous l'impose. Je vais lancer le timer et puis je vous rejoins en courant comme un bourrin. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Allez, salut. Putain, Qu'est-ce que t'as fait? non! Mais ils ont lancé le jeu alors que j'ai... Ah! Bon, tant pis. J'ai pas sélectionné d'équipe. C'est pas grave, c'est avec moi. Ouais. Est-ce que je peux Moi, je rush. Il y a un creeper! Je t'appelle là. Tu le prends? Ou je le prends? Oh putain! Ah, pour pas faire la connerie, je vais le mettre sur ma tête. Attends, il y a quoi dans l'église? Est-ce qu'il y a un autre coffre? Ouais, il y en a Yes, une là. épée. Gros souci avec Madrex. Bah bravo! C'est malin ça. Regardez, je sais plus ce que j'ai. Si j'ai foutu un truc dans le clocher, j'ai foutu un arc 4 flèches. Ça peut être intéressant. Putain, elle marche pas sur moi. T'avais dit on irait quoi dans la ville basse directe? Ouais, dans la ville des clodos. Attends, je descends du clocher, je t'en joins en 2 secondes. Putain, j'ai pas fait ça. Attends, slash, emerald. Tu l'as mis, pas perdre l'inventaire? De perdre l'inventaire plutôt. C'est ce que je suis en train de faire. Ok. Voilà! Plus de soucis. Attends, moi j'arrive. Fais T'es où? gaffe, ouais, je suis là, fais gaffe, y'a un creeper. Vas-y, je suis derrière toi. Je l'esquive comme le dernier bâtard. Ah, il est pas beau! Vas-y, fonce, 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 fonce. J'ai mis le totem sur ma tête parce que comme ça je vais pas faire la même connerie que toi au premier enregistrement. D'ailleurs, les viewers ne le savent pas, mais enfin bref. En gros, t'avais le totem, tu l'as posé, tu l'as cassé. Voilà, c'est ça. Parce que quand on pose un item enchanté, bah il perd ses enchantements. Classique. Ah, du coup, comme on a direct farm en bas, on n'a pas. Bon, en tout cas, j'ai un arc avec pas mal de flèches. Tiens, une hache pour toi. Merci. Oh, tes pommes. Oh, des Ok. torches. J'ai des torches. Ouais, ah tiens, j'avais dit de donner des torches à tout le monde au début. Bon, tant pis. Tu veux que j'en pose ici ou pas? Bon, non. D'ailleurs, toi qui es une grosse sous-merde de Minecraft, oublie Qu'est-ce pas, si jamais genre t'as un coffre rempli de merde, mais genre étalé partout, pour récupérer rapidement, c'est Alt et double clic sur l'item et il va ramasser tous les items identiques. y a? D'accord. J'ai un protection 1. Ouais, je sais. Enfin, ouais, je sais, enfin, c'est vrai que je l'avais foutu. Je commence à me stuff, moi, tranquillement, gentiment. Oh putain, 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 il faut que tu viennes m'aider. Je suis pas spawn, je suis sur l'île. Hein? Oh non! Ah oui, on spawn sur l'île et on perd pas notre Mais c'est inventaire. quoi ce... Attends. T'es sérieux là? Ouais. Merde. Oh la merde. Je savais bien que cette commande était foireuse. Là, je me suis mis en game mode au moment où le truc ça allait. Spawn. Merde. Alors ça va être assez long, vous m'excuserez. Ça tombe bien comme ça, on a chacun un membre de l'équipe qui...
qui est en mode problème. Tu vas apparaître à côté d'un creeper, Ok, pas de merde. problème. T'as tes TP aussi Maurice ou pas? Mais on perd toujours pas notre inventaire. Hein. Sérieux? Ouais. Bah t'es pas mort. Non mais c'est parce que je viens de le régler. Mais si j'étais mort. Non mais t'es mort pour aller là-bas, mais t'es pas remort entre temps, je l'ai changé ça. D'accord, ok. Allez, on go. On retourne dans la ville basse. C'est hyper casse-couille cette histoire de respawn à l'autre bout du monde, ça va être très handicapant pour la suite du jeu. Et arrête d'essayer de tuer ces zombies. Faut un OTP à chaque fois. Bah attends, je vais essayer un truc. Ah putain, je lag. Oh putain. Voilà, bizarre. Cette world spawn, ça, c'est le genre de truc qui a l'air de marcher. J'ai eu un gros gros lag, mais j'ai perdu presque tous mes cœurs, moi c'est pas grave. Putain, en fait, je suis toujours en créa. Je t'attends. Ah bah c'est là. Et je suis revenu à la course. Allez, on est Bon, reparti. on est reparti. Essayez de pas mourir, je vais leur dire. Hop. J'ai trouvé un peu de stuff en fer. Putain, je tousse, c'est horrible. Qu'est-ce que tu fous ici? Butin 3. Putain de spawner de merde. Oh putain. J'ai trouvé des flèches. Oh putain, je Putain! vais mourir, je vais mourir. Ah. T'es mort où? C'est pas moi, c'est pas moi, je suis pas mort. Hein. Ah! Je vais me cacher là. J'espère qu'il aurait pop dans la ville. J'ai des chaussures si tu veux. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des chaussures si tu veux, j'ai dit. Excuse-moi, oui, je veux bien. Essaie de me rejoindre. Je suis coincé. Moi aussi. Vous mourrez jamais! Ok, il a bien respawn, il a bien respawn. Ouais, je suis content de moi. Crois qu'il y a un... Oh, je sais plus. Oh putain, il me déglingue, il y a le bâtard. Ah! T'es passé? Non, ouais, je suis dehors, moi, tout le temps. C'est juste qu'en fait, tu vois les tâches qu'il y a dans les quartiers pauvres. Ouais. Dans chaque étage du truc, il y a une pièce d'un stuff spécial. Eh, il y a 4 zombies qui sont à ma porte là, tu peux venir m'aider ou pas? Non, parce que je suis dans la merde aussi, hein, tout autant que toi. J'ai récupéré une pelle, oui, pourquoi pas. Je vais mettre des torches un peu parce que. J'allais dire, sors par la fenêtre, mais non, tu peux pas. What the... Pourquoi est-ce qu'il est full fer cet enculé? C'est la survivor attitude là. Ouais, carrément. Oh merde. Tu peux. J'essaye, mais c'est pas facile. Genre je me fais déglinguer la gueule par des squelettes. Genre je suis mort. Non. Ah si. T'avais le totem? Oh Bah oui, putain. j'avais le totem. Oh merde. Putain, je vais pas pouvoir sortir. Bah tu sors, tu fonces. Ils ont déjà pillé là. T'es mort Normal. où? T'es mort Ouais. où? Putain, je suis mort. Je suis mort en bas dans le quartier pauvre. Moi Elle aussi. est Allez, dans enfonce, un enfonce, étage. enfonce, enfonce, enfonce. C'est vachement hardcore. Mais qui c'est le con Oh, qui du a décidé stuff. de mettre des spawners ici aussi? Bah, c'est censé être une zone assez difficile, hein. C'est vrai qu'on aurait dû se pré-stuff en fait avant de monter. T'as pris mon stuff, enfoiré? Ouais. Ok. J'ai pris le mien aussi. T'as récupéré le tien, bon ça va. Bon, je suis encore mort. Écoute, je te Oh propose. putain, arrête, moi je vais encore crever. C'est le gangbang de squelettes. Vous m'aurez pas. Non, putain. Oh.
Oh sa mère. C'est chaud. Trop trop chaud. le timer il est bien lancé là. Bah normalement, enfin s'il est bien lancé on va tous être TP comme des gros. De toute façon j'en ai mis un au cas où. De toute façon on est qu'à 10 minutes là. J'ai un arc. Oh putain. J'ai un arc P1. Moi je vais essayer d'aller dans le super donjon qu'il y avait au fond, tu te rappelles? Ouais. Cherche normalement, il y a une torche de redstone devant. Je l'ai cassé, je crois. Bah, bravo. Putain, il n'y a pas de coffre ici. Ah si. Oh, je vais m'équiper full fer. Voilà, je suis bien, je suis heureux. J'ai trouvé un livre Flamme 1. C'est pour l'arc. Là j'ai un arc. Ouais, moi j'en ai deux. Mais fonce, 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 fonce. T'as le totem? Hein? Ouais. Nickel. Ah putain, une araignée venimeuse! J'ai une potion d'invisibilité. Ça, j'ai foutu ça, moi. Eh mec, j'ai besoin d'aide, je suis dans une maison, j'ai plus de vie. Enfin, j'ai pas que j'ai plus de vie, mais je suis empoisonné, puis je perds ma vie, quoi. Bah moi ah je... Viens pas sur les quais, les araignées venimeuses squattent l'environnement. Bah je suis sur les quais moi. Mais elle est pas les quais, tu vois, les genre le autour du petit lac. Ah ok. Ah t'es déjà au quartier portuaire toi? Bah attends, moi j'arrive. Bah j'ai pas de bouffe, t'en as ou pas? J'en ai à plus savoir quoi en foutre. Bah c'est la classe. Putain T'es j'ai où? vu. Au fond. Putain la vache, le mec il trace. Le mec il rate des stuff en fer. Bah j'en... J'ai pas encore été... T'as caché des trucs ici ou pas? Oh putain. De quoi dans le... Il y a des trucs cachés partout. Ah ouais, il y en a ici. Je crois qu'il y a aussi des araignées Oh! qui spawnent au monolithe, hein, fais gaffe. Pas des Boussole, sorcières. ça sert à quoi, montre? Oh putain! Quoi? Bah il y a une sorcière. Ah, je t'avais pas dit que ça spawnait. Mais j'ai Bon, plus de bah, on bouffe par descend. contre, j'ai plus de bouffe. J'ai sauté en l'eau avec un gardien à côté de moi. Ça sert à quoi la boussole ici? Oh, rien, c'est juste pour les RP. Attends, moi j'arrive. Est-ce qu'il y avait une enclume ici? Ouais, non, ça aurait été trop beau. T'es où, t'es où, t'es où? Bah là, t'as pas de la Essaye de bouffe? remonter. Ok, on se retrouve. Putain, y a pas de zone safe. Oui, j'ai de la bouffe. T'es où? Là, sur le pont. Oh putain la salope! Sur le pont, je t'ai foutu 4 côtelettes. Putain, y a pas de répit, quoi. Y a nulle part où on peut se poser. Vas-y, moi je monte là-haut, je vais attaquer. What? Moi je vais me mettre à la flotte. Y a des gardiens qui spawnent. Hein. Oh non! Oh non! T'es sérieux? J'ai perdu tout! Ramasse mon stuff, je suis mort à côté de toi. J'ai vu. Tu m'as pas dit que dans l'eau il y avait des monstres? Ah mais ils font trop mal ces fils de pute. Oh putain, bah vas-y. Ah, ils m'ont trichotte, j'étais full fer quoi. Comment est-ce qu'on va récupérer le totem dans ces conditions? Je sais pas encore. Là les autres ils doivent halluciner quoi. Mais ils meurent pas tellement que ça eux. Hein. Il est où ton stuff là? Dans le coin, à peu près au même endroit que toi. Dans l'eau? Ah ouais, ok. Tu la récup? Bah j'y vais. Mais je pense que je vais en mourir derrière. Ils font trop mal les mecs. Putain, pourquoi est-ce que j'ai foutu deux spawners d'archers ici? Vas-y, j'ai sorti le stuff de l'eau. Mais je vais pas aller bien loin. T'es où toi? Je sais pas, je viens de récupérer un casque en diams, je cherche pas à comprendre. Agilité aquatique et apnée, allez hop. T'es sérieux toi tu... Oh Toi tu putain, bois? je trace dans la flotte avec agilité aquatique. Mion. Je vais limite aussi vite qu'en sprintant à la surface quoi. C'est... Où est-ce que tu as sorti le stuff? C'est bon je l'ai. Il est où le totem? Il doit être dedans. Ah, tu as sorti ici toi.
J'ai pas le totem. T'es sérieux? Je sais pas où il est. Il est encore au fond de l'eau. Oh, il y a Madrax! Oh putain! Faut que tu viennes m'aider là! Mais j'ai rien! Je suis que de la chair à canon! Bah moi je suis de la chair à deux enfoirés là. Fils de pute! Attends, j'ai essayé de buter. Tu l'as? Oui, je suis en train de le déglinguer. Il comprend rien ce qui lui arrive. C'est n'importe quoi, je. Ah, je suis mort. Oh, bien joué. Non. Ah merde. Ouais, mais j'ai foutu une dizaine de tartes avant que je crame. Et j'avais plus de vie. Hein. Il lui a suffi d'un coup d'épée. Par contre, j'ai pas le totem. Putain, c'est un truc de fou. Il doit être au fond de l'eau. Bon, au pire, hein, c'est pas grave. Yo, bitch. Du coup, on est tous les deux morts, donc mon risque, s'il y a un peu de respawn à côté de moi. Oh le fils de pute. Non, t'iras pas là-dedans. Va te faire foutre. Non, le totem n'est pas dans l'eau. Oh putain, y'a Roger. Oh putain, y'a Roger. Aïe. Putain, mais vas-y, mec. C'est trop dur. Pourquoi t'as mis des gardiens, quoi? Parce que c'est drôle. Bah non, mais c'est pas drôle, on meurt tout le temps, on ne peut même pas sortir de l'eau, quoi. Y'a Madrex qui est en train de me suivre avec son stuff de PGM. Mais tu sais, dans les égouts, quoi. Mais tu peux pas sortir de l'eau, mec. Yes! T'as placé un bloc? J'ai ouvert le cornet. Dès que possible, il faut qu'on y aille parce qu'il y a un putain de stuff à récupérer là-dedans. Oui, mais mec, on n'a plus rien. Le stuff est protégé par 4 spawners de zombies, mais. Mec, on n'a plus rien. C'est pas pire qu'en haut de la tour on où il y a. On n'a plus le totem, mec! Je sais pas où il est! Mon stuff, t'es mort où? Bah, je suis mort dans l'eau, mais. Ouais, c'est vrai que les gardiens c'est peut-être un peu trop. Où ça dans l'eau? Je sais même pas. Ah, mais ils sont beaucoup en fait. Oh non, mais. Non, mais mec, t'as mis trop. Non, mais. Non, mais c'est même pas drôle parce que tu peux même pas. Tu peux rien faire en fait. Je le saurais. Bah ça dépend, c'est une tête de squelette ou pas? Putain, s'il l'a récupéré, je suis deg. Nope. Ouais, il est déçu. Ah, parce qu'il m'a choisi un casque en diamant en fait. Tu sais, le casque en diamant, tu vas trop vite dans la flotte. Non mais mec, y a plus le totem. Je te dis, y a plus le totem. C'est pas grave, on aura bien rigolé pour 1 heure. Moi je m'en fous, je rentre dans le cornet et je vais récupérer. Mais mec, il faut pas y aller tout seul. Aide-moi, récupère le stuff. Mais on n'y arrivera pas si on n'est pas stuff, c'est ça que tu comprends pas. Mais tu m'expliques pourquoi il y a des zombies qui ont des armes? Putain, j'arriverai jamais à sortir. Crève! Aïe, aïe! Bon. Ah, j'ai le totem. C'est bon, je l'ai. Bastien, je suis un homme mort. Pourquoi? Il me reste 3 coeurs, j'ai pas de régène. Et il y a au moins 6 zombies qui tapent à ma porte. Et je suis sur un balcon, tu sais. Bon, mec, genre, je le totem et je suis mort. Je vais venir te chercher, ok? Ouais. T'es au cornet, je suis full fer. Est-ce que tu crois que du haut du cornet, je peux sauter en bas avec un chute à Marty 4 sans mourir? Non. Je te rejoins. Je te rejoins au cornet. Comment je peux y aller sans mourir? Par la ville haute. Il n'y a pas d'autre moyen. Ah non, c'est la seule route. Ok, bon. Écoute. Oh, y a machin. Y a Maurice? Non, l'autre. Madrax. Madrax. Il se promène, il est content de les remparts pour suivre par une araignée, c'est trop chou. Il est là avec son petit casque bleu. Bon gros toi là, je vois une main de zombie qui. Oh il est mort. Je vois une main de zombie qui dépasse du mur. T'inquiète, j'arrive. Genre, je vais te manger, cerveau. J'hésite à ouvrir la porte et me foutre une droite, mais c'est une très mauvaise idée. Y a pas d'autre moyen. Pourquoi y a des blocs qui se placent?
Non, c'est rien, c'est parce que dans le cornet, en fait, quand t'as ouvert les 4 coffres sur les 4 balcons, ça t'offre une super épée de la mort qui tue. Ah d'accord. Là, je n'ai déjà ouvert 2. T'es au cornet? J'arrive. Je suis en train de courir pour ma vie là, tu vois. Putain, je sais même pas comment je vais monter là-haut. Cherche pas à te battre, hein, cherche à... Maurice John de Game, carrément. Ah ok. Il a dû Ah, avoir un petit problème. j'ai cru que c'était toi parce que je t'ai vu courir sur moi. J'ai vu un mec qui courait dans ma direction sur la corne et puis là j'ai vu un creeper exploser, mais en fait c'est Madrax. C'est con que je sais pas, je vois des trucs très intéressants de là où je suis. J'arrive, hein, t'inquiète. Je suis en train de courir. J'ai tout le stuff, hein, j'ai du stuff pour toi aussi. Mais en fait j'étais en train de récupérer le stuff du guerrier d'or mais. Alors attends, parce qu'en plus moi je connais pas bien, pas aussi bien la map que toi. Alors. Il y a Medrax qui se promène en bas encore. Il est toujours au même endroit, il essaie de récupérer son stuff, je pense. Bah oui, tu m'étonnes. Il galère. Bah en même temps. C'est bon, j'arrive, hein. Tu me vois ou pas? Non, enfin moi tu sais, je suis du mauvais côté. Je suis genre du côté où il y a rien, pas du côté du port. Je suis là. Ah oui, je te vois. Faut que je monte à combien d'étages? Je crois qu'on te suit, hein. Oui, on me suit. Ah oui. Tout en haut. Tout en haut. Je t'aiderais bien, mais pour le coup, je suis complètement no stuff. Je suis une sortie. Et si les mecs ils pensaient à lever les yeux. Oh, j'ai tué Maurice en lui balançant un creeper dans la gueule. S'ils pensaient à lever les yeux, je pense qu'il y en a un qui m'aurait décoché une flèche depuis longtemps. Ça aurait été bon, en plus, vu la chute que j'aurais fait. Tu cherches une porte où il y a 15 zombies qui sont accolés dessus. Je suis derrière. Maurice, il est dingue. En même temps, y a de quoi quoi. Hey, nique-moi ces zombies. Merci. Putain, ils sont deux. Au moins deux, là, je vois deux paires de bras. Tiens. Attends, parce qu'il y a un zombie qui m'a collé. J'ai plus qu'un demi-cœur, mec. Putain, en plus, j'ai foutu pas mal de potions de soin. Bah, j'ai pas. Je suis mort mec, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Putain. J'ai plus de vie. Je t'ai marre de descendre des escaliers comme un gros sagouin. J'ai plus. Putain, y a un zombie qui tombe. Il tombe de là-haut. Putain, ils descendent. Ils descendent. Les Je suis zombies sûr que descendent. qu'avec la chute amortie 4 ça passe. Y a pas un point d'eau, je pourrais sauter là. Non, le point d'eau le plus près c'est les égouts, il y a quand même une sacrée trotte. Mec, je suis désolé, mais je suis forcé de sortir. Genre au moins 30 blocs. Ouais bah je vois ça. Forcé de courir pour ma vie, mec. T'es où là exactement? Je suis à la porte, contre la muraille, genre derrière moi Un c'est zombie vide. derrière toi, un zombie derrière toi. Ah non. Je vois pas où t'es en fait. Si t'étais à l'extérieur, je pourrais te donner une vue d'ensemble et dire ce que je vois d'ici, Mais mais. je suis à l'extérieur. Moi je te vois pas. Putain, il y a des mini zombies. Et putain, j'ai plus qu'un demi-cœur. Oh là, oh non, merde, putain. Bon bah je tente la chute hein. Ouais, tente. Ça passe pas! Putain, j'espérais quand même 3 demi-coeurs de 50 blocs de haut. 3 coeurs et demi, je veux dire. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. C'est vrai qu'il y a des petits lags quand tu respawns. C'était toi ça? Oui, c'était moi, oui. Putain, les meutes! Le bordel incroyable qu'il y a ici. Et n'empêche, tu pourrais être content hein, parce que je t'ai dit qu'il y avait au moins 3 fois plus de mob spawners dans la version d'origine de la map. Hein. Eh bah putain. J'imagine même pas la tour des Blaze quoi. Ouais, le mec, comment il a fait? Une esquive des zombies. Ouais, casse-toi, t'as raison. Non mais c'est par là le totem mec. T'as dit quoi? Il était par... Putain, non mais faut que tu me suives, parce que... Ouah! C'est quoi ça? Il y a 15 zombies! Mais quand je te dis que j'étais dans la merde...
Ah, je vais les atterrer et je fais le tour du cornet. Voilà. Stratégie, tu vois. Une stratégie qui Vas-y, moi marche je pas. déglingue Maurice, moi. Oh, une épée en bois. Oh, une potion de quoi? Potion D'invisibilité. d'invisibilité. Oh putain! Non, mais il faut l'utiliser ça, c'est les mobs ils te voient pas quand t'as ça. Hein. Bah prends-la. Je l'ai utilisé. Bah t'as le deuxième. Attends. Oh oui, t'inquiète. Ah putain, s'il me voit. Oh, le fils de pute. Bon, je vais pas tout récupérer, il me manque un bout d'autre truc. Est-ce que j'ai le totem? Est-ce que j'ai le totem? J'ai pas l'air. Rapport d'études, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le mettre. Pantalon, je vais le mettre. T'es où là? Derrière le cornet. T'as le totem? Non. Non. De quand y est. Fais gaffe, il y a Maurice derrière toi qui essaie de te gangbang. Moi qui pensais avoir mis trop d'épées en fer. Moi, je suis pas déçu. Oh puis fuck, je vais dans la ville basse. Pas le quartier pauvre, hein, la ville basse. Si tu me cherches, je serai là-bas. T'as récupéré le totem? Non. Mais il a disparu alors. Non, c'est toi qui l'as. Non, non, je l'ai pas, je t'ai dit. T'as tout Ah le si, nether. si, si! Si, si, je l'ai. Putain, pardon, autant pour moi. La ville basse, la ville Et basse. Je. on peut casser des trucs. Oui, je sais, mais j'ai dit qu'il fallait pas le faire. Ok. Alors par contre, tu m'excuseras, mais je vais faire un Wither Clear parce que c'est pas supportable. C'est quoi un Wither Clear? Bah, faire qu'il pleut plus. Ah oui. Sauf que. Vas-y. Non mais mec, il faut que t'es où là? Parce que j'ai pas de stuff. Je t'ai dit la ville basse, Ah oui, c'est tu vrai. vois, genre la grande maison avec la chapelle au fond et tout. Oh, putain, l'Enderman qui me... Putain, ils ont déjà pillé le stuff de maille. Ah merde. Ah, ils sont déjà allés dans la cachette sous la chapelle. Bon bah je me suis fait baiser. Hein. Mais ils sont pas Quoi? encore sortis. Ils sont pas encore sortis, la porte était fermée. Ou Vas-y. alors c'est juste qu'ils ont pas réussi à traverser. Je vais voir. Attends, j'arrive, je suis derrière toi, donne-moi du stuff. T'es où? Oh putain, Ah squelette. non, merde, moi je suis chez les pauvres. C'est de l'autre côté, la ville basse. Il faut qu'on aille dans la mine alors après. Ouais. Ce bordel. Il est possible qu'il n'ait pas réussi à passer l'épreuve de saut. Putain, si, ils ont déjà récupéré le. Ah, si, ils sont sortis. Alors, autant pour moi. Putain, c'est par où déjà? C'est par là, je crois. Il faut carrément que tu traverses. Ouais, ils ont déjà fait la cathédrale. Je suis assez surpris. Je pensais que comme ils n'avaient pas fait la map, qu'ils n'avaient pas participé, ils allaient jamais la trouver. Bah, tu Comme je suis un vois. mec bien, comme je suis un mec bien, j'ai mis un panneau d'indication, tu sais, pour dire, hey, ce levier sert à ouvrir la cathédrale. T'es gentil, toi. Ouais. C'est bon, j'arrive. On se retrouve Tu me vois ou dans le pas? cri. Et je cherche pas de voir, moi je cours à la mine. Je suis à la mine. Ouais, rentre, passe la porte, on s'enferme. Vas-y, t'as du stuff pour moi un peu. Bouffe. J'ai pas de plastron. Là, je te file toutes les jambes que j'ai. Bouffe, bouffe, c'est la merde, la bouffe. Je te file une carotte et une pomme. Et non, je vais te filer une deuxième carotte et c'est la moitié de ce que j'ai. Enfin, moi j'ai de la viande de zombie, quoi, mais. T'as pas une épée? Ou une pelle, une pioche, de quoi taper un peu plus fort que ma main? Merde. Bah tiens déjà ça avec la moitié des flèches, attention. T'as pas une pioche, une pelle? Je t'ai lancé une pelle J'ai... à l'arrache parce que je l'avais dans mon inventaire, ça se trouve j'ai mieux, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est juste qu'on se fait un peu aggro. Et t'as pas des torches? Si, j'ai des torches. Place-la ici, hein. Oublie pas, hein, la grue. Hein? Quelle grue? Celle-là?
Et quoi tu? Ah oui, c'est vrai, il y a un passage secret là-haut. Bon, tiens, toi qui a pas beaucoup de stuff. Ah bah si, tu es mieux stuffé que moi. Ah non. Eh, surtout il y a ça. Regarde-moi, tu me vois, tu me vois, tu me vois, tu me vois Ouais. plus. Oh, ils l'ont déjà trouvé, les enculés! Vous avez trouvé quoi? Bah, la cachette là au fond du truc, ils l'ont trouvé! Non. Bah, si, y'a rien dedans! Oh putain. Ça, j'ai déjà pillé, hein, c'est pas la peine. C'est chaud. Ils ont été rapides, hein. Bah, en même temps, je pense que c'est un peu le premier endroit où ils sont arrivés. Rejoins-moi, comme ça, tu vas pouvoir découvrir à quoi ça sert ce truc. Là, tu te rappelles par là, il y avait un trou et il y avait un levier. Ouais. Alors tire le levier et reviens par ici très vite. Reviens, 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 reviens. Ah ok. Et du coup, t'es bloqué comme un con. D'accord. Rigolo. Bon. Ah putain. Bon, bon. J'imagine qu'on ne va pas à la tour des Ghasts. Attends, Des attends un peu. Blaze, des Blaze. Ce serait un peu trop hardcore. Attends un peu. Ah. Putain, t'as pris le stuff ici aussi? Non, j'ai pas touché au stuff ici. C'est eux qui l'ont pris. Moi, je torche comme un enculé. Marc, il reste 19 minutes. Ah! Putain, je vais crever. Dégage, fils de pute. Les zombies de merde. Il y a deux zombies. Ah, j'ai plus qu'un demi-cœur, fais quelque chose. Bah, j'ai plus que deux cœurs. C'est mieux que moi. Oh la tristesse. Putain, ouf. Hey, t'es sûr que t'as mis des épées? Oui, j'ai mis plus d'épées que d'haches. Ah bah putain, j'avais vu qu'une hache déjà. Bon, vas-y, on va faire la tour, on n'a pas le choix. Faut la farmer juste. La tour, je crois qu'il n'y a qu'un plastron en diamant en haut. Y a rien d'autre dedans? Bah, un plastron en diamant protection 4, quoi. Quand t'as ça, t'es tranquille, mais. Sinon, non, t'as pas grand-chose d'autre. Putain. Ouais, par contre, oui, c'est la misère. Hein. On remarque que j'ai un protection 4 contre le feu. Ah bah oui, ça par contre c'est une bonne idée ça. T'as fini le cornet? De C'est quoi? une armure en or ton protection 4 contre le feu. Ouais. Ouais. Oh, une nouvelle hache en fer. Moi, tu viens Voilà, avec bute ton moi. copain. Hein. Je vais Mais moi j'ai tenter. pas de protection. J'ai pas une protection contre le feu, moi, t'es gentil. Remarque, en tirant à l'arc sur les blazes. Ouais, je sais pas. Hein. Allez hop, je tente. Tu veux pas une blaze rod? Non. Il est juste tout en haut ou. Tout en haut. Il n'y a rien d'autre en milieu? Ok. Tu rushes jusqu'au sommet. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Hop 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 hop. Ok, je l'ai. Plus ça tombe bien parce que j'avais pas de plastron. Ok, j'arrive. Hop. Tu l'as équipé direct, Ouais, j'imagine? je l'ai équipé direct. Eh, c'est bon, hein. Ah bah avec ça t'es tranquille hein. Je suis passé. T'es pas le roi du monde mais t'es tranquille. Un plastron en fer, du coup je t'en fous, je vais le garder pour moi. C'est bon, je suis passé. Moi Hop. je suis Tu sais le truc que t'avais construit là, l'espèce de bord de bateau Hein? Ouais, l'espèce de bateau qui va au-dessus de la rivière. Ah oui, c'est un pont. Ouais, enfin un pont, un demi-pont. Oh putain d'arc, puissance 1. Ah oui! Ah oui, je sais ce que c'est, oui. L'émeute. J'espère que le timer va fonctionner parce que je dis j'ai pas du tout le temps de le tester. T'es où là? Je suis dans la ville basse. Ah je te vois. Je suis en haut là, tu me vois? Ouais, je te vois. Coucou! J'arrive.
On va essayer de rejoindre la ville haute, Ouais, enfin bot. le passage secret. Est-ce qu'il y avait un coffre dans la tour? Oui, je l'ai pillé. Bah t'as laissé un arc. Oui, je sais, c'est un arc pourri. Bah ouais, mais faut le prendre au cas où, quoi. Pour éviter que les autres les aient, quoi. Est-ce que tu peux venir me... D'où vous venez, bande de salopes? Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? T'aider comment? Bah, j'ai plus de bouffe. J'ai plus d'armes... T'as plus de bouffe, mec, j'ai 5 viandes de zombies. J'ai plus d'armes pour la ba... pour le... la baston aussi. Quoi, ton passage secret il marche pas? Non. Bah si. Oh merde. Après c'est un bloc de bouse, hein, ça se casse, mais c'est triste. Bah vas-y, casse-le. Tant pis. Il y avait rien là-dedans. Des araignées. Pourquoi il y a un golem? Ah, oui, c'était pour faire beau. Putain, tout ça pour un livre à la con. Aïe. Si, il marche mon passage. Non, il a pas marché. Nulle part, on peut être à l'abri. Ah, je me fuck dans une maison, il y a un creeper qui m'attend. Putain mec, il faut que tu viennes m'aider. On va te faire foutre, j'ai le totem, je reste caché dans ma maison jusqu'à la fin des temps. Putain, ils m'ont bloqué les bâtards. N'oublie pas que tu peux sortir par le petit jardin là, t'as des deux barrières, t'as des portails. Oh, t'es bon. Mec, j'ai plastron 4 à récupérer là. Ouais, bah j'y vais. Genre. Ah putain, genre j'ai pas cette place dans mon stuff. Je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Ah, je suis pas mort. Je suis en train de réfléchir. C'est par où? C'est par là. Essaie de me retrouver, hein. Moi c'est pas compliqué, je suis dans la petite maison qui est encadrée. Si tu peux me rejoindre, je vais casser une fenêtre. Et je te balancerai mon stuff, le stuff par là. Ouais, c'est encerclé par les zombies. Il n'y a pas que des zombies d'ailleurs. C'est un L'épique massacre. messe de cette map. Oh putain. Oh sa mère. Je sais pas c'est quel côté pour... Ah si je te... Oh ok, j'ai trouvé mon stuff. Le plastron y est quoi. Ouais, je l'ai, oui je l'ai mais je suis bloqué. Je me fais... Pourquoi on est passé par là mec? Oublie pas un clic droit avec une pièce de stuff dans ta main pour l'équiper. Ouais. Vas-y, je bute Maurice moi. Oh le bâtard. Raté, monsieur dame, raté. Oh ouais. Oh de la bouffe. Oh ouais. Oh j'étais en train de mourir quoi. Mec, j'ai plus. C'est quand même vachement pratique les doubles portes. Hein. Quand il y a un zombie qui squatte l'une des portes, et bah tu passes par l'autre. T'as récupéré mon stuff ou pas? Ah non, 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 je Bah me suis viens, barré par la viens, vache. viens, 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 viens. Ouais, vas-y, avance en bas, moi je vais contourner par le haut de la Mais muraille non, comme mais ça. j'ai besoin de toi. Non, mais moi je contourne par le haut, puis après je vais sauter sur ton stuff et partir en courant comme une salope. D'accord. D'ailleurs, pour un maximum de sûreté, je vais garder les bottes chute amortie. Moi, je redescends en bas. Hein. Le stuff il est où? Je l'ai récupéré, c'est bon. Ah moi j'ai pas besoin de descendre comme une pute. Par contre, j'ai plus de flèches. J'ai plus. Je pense que je vais quand même un peu diminuer niveau difficulté hein, pour la prochaine saison parce que là c'est un peu le bordel. Non, mais c'est Bon quoi que impossible. ça, en vue des joueurs avec qui on va être, ça pourrait être drôle. Bah pour l'instant on gagne hein. On a Oui. toujours le totem. C'est vrai. En fait, c'est qu'ils sont trop occupés à essayer de survivre pour essayer de récupérer le totem. Moi, je trouve ça très amusant. Surtout que Maurice, il se fait tuer à la chaîne. J'ai limite envie de faire du spawn kill, tu vois. Mais bon, c'est pas très fair play. Et en fait, ils ont déjà fouillé tout l'étage. Oh putain de merde! Et... Tu sais où il est le stuff là? Non. Dans le trou du semi-bateau. Ah, bon, c'est récupérable. Je te laisse le faire. Moi, je vais, avec mon super stuff de mort qui tue, je vais risquer le tout pour le tout.
J'essaie de récupérer la super armure qui tue dans la caverne au fond du quartier pauvre. Alors le plus dur va pas être le donjon, hein, ça va juste être d'y entrer, hein, parce que en vue du bordel qu'il y a dans le quartier pauvre, ça risque d'être de quoi dans notre poche. Le totem. Excusez-moi, je ne fais que passer. Excusez-moi. C'est pas là. Excusez. Aïe. Putain, ça, putain de labyrinthe, c'est Putain. parti. Ah, j'ai trouvé l'entrée. Et au fils de pute, tu crois que je t'ai pas vu? Y'en a là que je te savais de la tronche. Oh putain, j'ai les deux sur moi, mec. Putain, pourquoi j'ai foutu ça là? Yes! T'as quoi? Une épée en diam se tranche en deux. Ouais, yes. Je laisse le rapport d'études tout pourri. Ça veut dire oh non, trop couillant! Puis en fait, c'est de la merde. Voilà. Bâtard. Mon dernier morceau de bouffe. C'est qui là? Oh, c'est Madrax. Je vais lui buter avec mon épée en diam. Surtout qu'il va à la caverne. Il va rencontrer Mister Creeper. Il va avoir peur. Mister Creeper. Ah, je l'ai one shot. Bâtard. Oh, j'ai deux arcs si je pouvais les fusionner parce que. Oh. J'avais une enclume tout à l'heure. Regarde si t'en as pas une dans ton inventaire. Une enclume dans l'inventaire? Comment t'as fait pour choper une enclume? Bah, je sais pas, je l'ai ramassée sur Maurice. Comment elle a fait pour avoir une enclume? Ah non, j'ai pas d'enclume. Attends, laisse-moi réfléchir. Où est-ce que j'ai pu foutre une enclume dans cette map? Pas un coffre, hein, mais posé, je veux dire, pour pouvoir l'utiliser. À la forge. Oui, il y a une enclume à la forge, t'es sûr? Non. Mais bon, ça paraît être logique. Dans mon sens du RP, j'ai sans doute foutu une enclume à la forge, je vais aller voir. Et donc, Maurice est mort. Maurice aime bien mourir. Je suis juste à côté de la ferme, j'ai limite envie de faire du spawn kill. Le mec il m'a vu, mais il a vu que j'étais full fer avec une épée en diam. Ouais, non, mauvaise idée. En fait, c'est que j'ai été redirigé sur notre page à la con, donc du coup j'étais plus dans le jeu pendant 2 secondes. Genre de truc qui peut être fatal, tu sais. Oui! Le tendeur d'Orion, puissance 1, flamme 1. Bim, salope! J'ai pas foutu assez de bouffe dans cette map. Bah ça non. Les mecs ils ont fouillé les magasins mais ils ont pas pensé à regarder, tu sais, les coffres sous les comptoirs. Oh ouais, des patates et des... Oh, ça c'est cool. Moi pour l'instant je regaine. J'ai récupéré mon stuff en fait. Du coup vu que j'ai une enclume, je peux... Ouais non, j'ai pas d'épée. Je veux dire, je peux te faire une épée en fer tranchant 1, mais voire même tranchant 2 si t'as de l'XP, mais bah non, t'as pas d'XP, t'es mort. Si j'ai 12 niveaux. Ah. Ouais, tu pourrais, parce que moi j'ai tous les trucs. Ah, oh, ils sont pas allés dans les souterrains. Oh, les mauvais. Moi j'y vais. Quel souterrain? Ah, tu sais, la citerne sous la ville. Bah vas-y, je te rejoins. C'est tout droit quand t'arrives. Je les décourage un peu. Enfoiré.
Ils se font tuer à la chaîne. Non mais c'est un truc de fou. Ils s'en sortent moins bien que nous. Il a quitté la partie le mec. Il a rage quitte. Je sais pas. Ce serait drôle. Mec il tourne une vidéo et se fait rage quitte. Mec j'ai réussi à faire rage quitte quelqu'un avec une map de merde, tu sais. Je suis fier de moi. Mec. T'es où dans la citerne? Quand je t'ai dit tu rentres dans la citerne, c'est tout droit. Parce que tu sais, j'ai monté un escalier. Non, normalement tu dois descendre dans l'escalier. Non mais moi je suis monté par... Bah là je le descends, ok. En fait c'est là où t'as genre une toute petite porte étroite. Attends. Donc en fait après ça fait genre un coude en angle droit et puis t'as un... Comment ça s'appelle? Un escalier qui descend raide. Au bout d'un moment t'arrives dans une caverne. Attends. D'ailleurs je suis dans une zone hyper safe hein, d'ailleurs, je pourrais limite camper ici jusqu'à la fin. Mais non mais moi ça m'amène direct dans la ville basse. Ah non, c'est quand le. Tu veux dire là où il y a l'eau qui s'écoule là? Ouais. Bah sors de là et c'est la porte à droite. Mais y'a pas de porte. Bah si t'as 4 chemins, mais c'est le chemin à droite. Ah mais non mais t'étais là-bas. Ah oui non, je pensais à autre chose. Ah oui, non moi je te parle de la citerne, tu sais, genre avec l'entrée à côté de l'église. Bah, de toute façon, laisse tomber, genre sors. Oui, putain, c'est vrai, j'ai oublié les trois boutons. Alors, je vais essayer de pas sortir à la citerne, je vais essayer de sortir à là où t'es à peu près. Ah, putain, bon, tant pis. Ah, bon, il s'est revenu. Ah, finalement, il est parachute, il avait juste planté. Et vas-y, ils vont dire que je le cheat, hein, mec, je suis trop bien équipé là. Bah, en même temps, tu cheat. Facette. Je suis full fer. pantalon en diams protection 1, et puis en diams tranchant 2. Combien de temps? Bah normalement on devrait pas tarder à TP comme des vieux bourrins mais combien de temps selon toi? Pour moi il en reste cinq dix minutes à peu près. Mais c'est un cul-de-sac ma parole. J'ai plus de bouffe mec. T'as visité toutes les maisons de la ville basse? T'es fou. Ah la ville basse, non j'ai pas du tout visité la ville basse. Le quartier oh, pauvre. Oh putain j'ai du saumon mec. Oui j'ai du saumon. Moi je suis au quartier portuaire, tu sais, là où il y a le gros bateau. J'ai une canne à pêche. On peut se nourrir mec. Les mecs sont tellement désespérés tu sais. Ils vont peut-être pêcher. Alors qu'il reste 5 minutes de jeu. C'est quoi, je crois que je vais me cacher en haut de la grue. J'ai plus bougé. Avec mon super arc. Non, pas j'ai pas toutes ces planques. Hein. Je sais que j'avais planqué un arc infinité quelque part, bah je l'ai pas trouvé. Hop. Je suis dans la grue. T'es où toi? Non, moi je suis toujours dans la ville basse. C'est normal qu'ils essaient de péter les portes. Les zombies? Ouais. Bah ouais. Normalement ils y arriveront pas mais ouais. Ils se font tuer à la chaîne les pauvres. En même temps ils vont pas se plaindre, on était un peu pareil au début. Ouais. Bah, t'sais, bah, je vais y dans la ville haute. On pourra ensuite récupérer du stuff un peu mieux en dessous. Je... Pourquoi il dit quoi? Bah c'est lui qui... Un peu d'arrision. Voilà. Personne n'est venu dans la cabine haute que je suis déçu. Le pauvre, il essaie désespérément de survivre. Il se fait déglinguer à la chaîne. Oh putain, j'ai une hache. Moi je suis dans le bateau hein, si tu me cherches. Moi je pourrais pas bouger trop de où je suis en fait. T'es où? Je peux te chercher hein. Toujours en ville basse. Oh, attends pas, attends-moi, j'arrive.
Ah, salope! Un squelette qui m'a foutu une flèche, je suis tombé du bateau. Bon, ça fait pas de très haut, puis sur la terre ferme, mais bon. J'essaie de t'en rendre aussi vite que je peux. Ah, j'ai l'enclume, mec. Ouais, je m'en fous, hein. Moi je l'ai, la mienne, je l'ai depuis un bout de temps. Ah bon? Moi j'ai une pomme en or. Pas une chapel, hein, juste une pomme en or, mais j'ai déjà pas mal. Ils ont visité ici, les bâtards. Ouais, ils ont fait le tour. Bon, il se lève the game. Là, est-ce qu'il a rage quit encore une fois ou est-ce Non, que mais c'est juste qu'il plante? je pense qu'il plante. Hein? Je pense que, je sais pas si c'est un mode de jeu qui va bien marcher, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'on rigole? Après, le mode de jeu, c'est très expérimental, on s'est fait à l'arrache. Moi qui finalement, même si je suis celui de l'équipe qui s'y connaît le mieux, je m'y connais quand même que dalle en commande bloc, en redstone, en tout ça, par rapport à ce qui se fait. Donc oui, ça pourrait être beaucoup mieux. Après, le concept est pas mal, mais... Oh, je vois un mec qui se bat dans une maison, avec plein de flèches dans la gueule, c'est peut-être bien toi. Il y a un gardien qui m'a foutu un coup dans la tronche. Est-ce que t'es à l'étage d'une maison? Est-ce que tu descends? Ouais. Oh putain, j'ai fait de foutre un KDP, mec. Voilà. Bon, on est en sécurité ici. Absolument pas. On était vachement plus en sécurité dans le quartier portuaire. Hein. Bon, vas-y, on y va. T'es où? Bah, je suis derrière toi. Ah bon, bah vas-y, go, suis-moi. T'arrêtes pas. Hein. T'as, juste pour rigoler, quand on aura fini. On leur dirait des trucs du genre, bah non, c'était pas très dur, hein, c'est juste que c'est du hardcore, faut être bon et tout. On se fout de leur gueule. Ouais, un peu, ok. Voir comment ils vont le prendre. Moi, il va rager encore plus, tu sais. Le pauvre. Attends, il m'envoie des messages sur Skype. Problème, je peux plus relancer le jeu. Oh, le con. Ah, bah, c'est très. Combien de temps il reste à ton timer? Bah, moi, 4 minutes. Et il nous reste 4 minutes ou ça fait 4 minutes que ça aurait dû être fini? Non, il nous reste 4 minutes. T'as pas de la bouffe? Si. Parce que moi je vais commencer à avoir faim. Ah, tu peux. Moi j'ai une pomme en or quand même, bon, c'est pas très nourrissant dans l'esprit. Bon, on campe la cabine du bateau? Oh, vas-y. Merde, on peut pas passer par là. Ah, si, on peut. J'ai foutu des araignées là-dedans, mec. Pour leur foutre la honte, avec une selle, on aurait pu prendre un cheval, tu sais. Ah ouais, vas-y. Mais non, il n'y a pas de selle. Oh Mais merde. genre, maintenant. Grand bâtard, tu sais. Non, c'est vrai. Dans le bateau, la cabine. Attends, je vais éclairer. Tac. Tac. Un zombie, bute-le, je vais le buter. Avec ma super épée. Hop, je vais buter la mob spawner du bas. Voilà, comme ça. Toi la crève, fils de chien. Il est mort. On a fait une chute terrible. Tiens donc. Moi j'en profite pour me promener dans le bateau. Hein. Journal de bord. La cargaison est chargée depuis 3 jours. On devrait déjà être parti depuis longtemps. Mais c'était sans compter que cet imbécile de Vignard. Putain, je me fais attaquer. Continue à lire, continue à lire, continue à lire. Protège. qui essaie de faire passer des explosifs en douce. Résultat, un gros trou béant dans la coque et plein de... dans la coque en plein dans les cuisines. Franchement, qui irait cacher des explosifs dans un congélateur? Si tu veux le voir, il y est le trou. Hein. Il commence à s'impatienter un peu, Manrax. Je pense que ouais, ils en ont marre là un peu. Dis-leur qu'ils peuvent déclarer forfait hein, s'ils veulent. C'est un plastron. Oh putain, la saloperie de araignée empoisonnée là. Ah d'accord. Je me dis merde, il me fait savater mais c'est vachement violent.
Regarde, mais vas-y, zombie, il essaie de me faire perdre un cœur, quoi, ça déconne pas. Je me retourne, en fait, c'est Medrax, tu sais. Alors, du coup, je me retourne, lui fout. TP, il est mort. Le mec, pas trop pété, tu sais. Le pauvre. Est-ce que c'est. C'est Maurice qui a la version crack. Oui. Mais c'est pour ça qu'il bug. Bon, pour mon timer, moi c'est bon, on a fini. On arrête là ou pas? Bah... Je pense que, de toute façon... Dis-leur, on arrête là, qu'ils se sont fait laminer la tronche, que c'est sous merde, enfin, dis-leur tout ce que tu veux, quoi. C'est toi qui es sous le bateau, là? Oui, c'est moi. D'ailleurs, je vais mourir dans 5 secondes. Je suis mort. Bon bah voilà, donc sur ce, pour moi, la vidéo est terminée. Bah parce qu'on a gagné. Ah, tu lag. Ouais, grosse victoire pour moi. Pour nous, hein, avec Octa. On remercie la French Connection d'avoir participé, en tout cas. Et on se refera, donc à mon avis, on refera un Totenkopf d'ici peu. Avec moins de bugs. On fait une out trop sympa. Avec... Alors, on va en parler un petit peu tout ça. Donc, mon victoire tu de. Tu filmes là? Ouais, je filme. Alors, je tiens à dire que moi, je n'ai pas filmé et parce que tout simplement, tourner en 4 FPS et tourner en même temps, c'est pas possible. Ouais, c'est ce qu'on prend. C'est... Donc, je vais faire une annonce dans la prochaine vidéo qu'on va faire. Mmh. Je vais essayer d'incruster ça dans la vidéo. Ok. Pour dire d'aller sur ta chaîne, qu'on a fait une vidéo avec toi, avec Théo en même temps. Ouais. Surtout de s'abonner et tout ça. On va faire une putain de pub. Merci, c'est gentil. Ah, même lui, il a dit c'est un peu ouf ce que vous avez fait comme les coffres et tout ça. Ça doit être chaud à mettre. Je vais vous faire une putain de pub. Je vais vous faire une putain de pub dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de caser ça. Bah merci, c'est gentil. Et ouais. Parce que là, j'ai pas pu tourner parce que mec, je tournais en 4 FP, j'en pouvais plus. Là. J'étais en train de rager derrière mon PC comme un gros porc. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était assez violent. C'est... En plus, c'était extrêmement difficile parce qu'il y a des spawners partout. Ouais. Et encore, vous avez du bol que Hammers a oublié la sauvegarde parce que à la base j'avais mis 3 fois plus de spawners. Hein. Quoi? Ouais, ouais, à la base, ouais, c'était encore pire. Pourquoi t'es pourquoi Nathan il peut pas se connecter là? Bah, je sais pas pourquoi. Attends, viens voir, descends Hammers. Descends, viens à côté de moi. Là, attention. Paf, voilà. Ah, voilà, voilà. Voilà, c'est, voilà. C'est le totem pour nous. Ah, c'est moi qui a gagné, hein, Hammers il a rien fait. Quoi? Attends. Est-ce que vous avez eu le totem au moins une fois? Je crois que Nathan l'a eu, il me semble. Madrax l'a eu, il me semble. Mais... Et moi, à un moment je t'ai fait un putain de coup, hein. Je t'ai balancé un creeper sur la gueule. Oui bah oui, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points et après merci. Parce que en fait, je voulais me battre avec toi, tu te retournes, tu tapes sur un creeper, et d'un coup le creeper il m'explose à la tête. Je fais bon d'accord. Ah, j'étais trop fier de moi. Ah bah non, il l'a pas eu. Bon bah voilà. Bon, par contre, Nathan, c'est quand tu veux. Bon, après, effectivement, c'était quand même une map extrêmement difficile, mais on a remarqué quand même, parce qu'il y a des endroits où vous avez été, sans que vous connaissiez la map. Ouais, j'étais vachement impressionné. Par exemple, vous voyez, dans la ville basse, il y a une grosse maison, et genre, il y a un levier secret sur le côté qui ouvre un truc dans une dans la dite maison quoi. Ouais. Puis dedans vous avez une épreuve de saut et tout, et puis ça c'était vachement planqué quoi, j'aurais jamais cru que vous l'auriez trouvé. Je l'ai pas trouvé moi. C'est Drax qui l'a trouvé. Ouais, pareil, il y a plein de trucs comme ça, je dis putain comment ils ont trouvé ça quoi. Ouais pareil dans la mine, le passage secret quand tu sautes dans la grue pour atterrir dans l'eau. Oui.
Ouais. Ah, ça, pareil. Bah, ça, même moi, je savais pas que ça existait, tu Voilà quoi. Ah, par contre, ce qui est très con, c'est que vous avez pas pensé à aller au bout de la grue. Parce qu'en fait, si tu vas tout en haut de la grue, au bout d'un moment, t'as T'as un une autre petite coffre. caverne. Dommage. Ouais. Et Après, ouais, il donc, faut. si je parle au nom de toute la chaîne, Ouais. on compte vous inviter tous les deux à faire un don de fall avec nous. D'accord, moi ça me va. Il y aura Swall Gaming, c'est celui-là qui nous a fait la bannière et le logo de notre chaîne. Et comment il s'appelle? Alexis YouTube qui nous a fait notre intro, enfin nos intros et nos outros. Et donc vous serez tous les quatre avec nous, avec sûrement Docteur Youssef, Non mais c'est Docteur cool. Minounet et tout ça. Tiens, Nathan, il demande à ce que tu le rajoutes dans la conve. Ah oui, mais il veut pas venir aussi, Stofion. Ouais. Faut que je me renseigne parce que je connais pas ce mode de jeu. Bah, Dawnfall, en gros, c'est que t'as des trous partout dans la map. Et bah, en gros, comment tu dois faire tomber les autres dans le trou. Ah oui, c'est moi ouais, je vois. L'appel a échoué. Mais pourquoi? Vas-y, l'arrache quitte la map. Bah, au pire, attends, je vais essayer de vous rappeler parce que tout à l'heure ça a marché quand c'est moi qui ai appelé. Attends, on fait un petit au revoir avant. On discute après. Donc un petit au revoir et merci à tous d'avoir participé. Enfin à vous deux en tout cas. À Ouais. Octa. Et puis Ouais. bah, j'espère aussi à tous les viewers qui verront ça que ce concept leur plaira. Et que si on a d'excellents retours, on a déjà prévu une deuxième saison avec deux autres personnes. Et Ce sera plus léger, hein, moins méchant, parce que là-bas c'est le bordel. ouais, c'est un peu le bordel plus structuré. Là c'est vraiment la première saison, on découvre tout ça, comment ça se passe. Ça s'est tourné à l'arrache. C'est tourné un peu aussi à l'arrache tout ça. Et on fera quelque chose de plus structuré et après éventuellement on rajoutera aussi des équipes. Pour que ce soit en 3 équipes ou 4 équipes, mais pas avec cette map là, on retravaillera une autre map. Ouais, vas-y. Salut à tous les gens, c'est Octane6 et aujourd'hui je pète un câble après avoir fini cette fabuleuse map. Alors je vais vous laisser profiter de la situation. Voilà. Ça fait du bien.